pas si bête avec VET24, centre hospitalier vétérinaire à Marcq-en-Barœul. La luxation de la rotule est une pathologie fréquemment rencontrée chez nos animaux de compagnie. La rotule est un os en forme de triangle indispensable pour plier ou étendre la patte. La rotule est un petit os accessoire qui se situe au niveau du genou et qui chemine dans une gorge qui est située à l'extrémité du fémur. La rotule est reliée pour sa partie supérieure au muscle quadriceps et pour sa partie inférieure au tibia. La luxation de la rotule consiste en un déplacement anormal de cet os vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la gorge fémorale. Et ce déplacement anormal va entraîner une boiterie plus ou moins importante. Un bilan radiologique, voire un scanner, permettront de déceler cette luxation rotulienne. La correction de la luxation de la rotule est une correction qui doit être chirurgicale. Elle donne des résultats très bons et excellents et consiste en un rétablissement de l'axe constitué entre le fémur, la rotule et le tibia. Après l'opération, une période de repos sera nécessaire durant 6 à 8 semaines. Si cette pathologie n'est pas prise en compte à temps, les conséquences peuvent être sévères. En effet, cette rotule se trouvant déplacée en dehors de sa gorge de coulisse va s'altérer. Ceci entraîne une inflammation articulaire chronique, ce qui est la définition de l'arthrose. Il est donc nécessaire de prendre en charge précocement les luxations rotuliennes, bien avant l'installation des lésions arthrosiques, de façon à éviter une dégradation de la fonction articulaire chez le patient.